Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de Midi. Alors tout d'abord un petit hommage à Robert Hossein qui nous a quittés aujourd'hui. Donc Robert Hossein, c'est plusieurs centaines de films, plein de pièces de théâtre et un seul rôle qui marque tout le monde. Donc c'était Geoffrey de Peyrac dans Marquise des gens, des anges, pardon. Et voilà, qu'il repose en paix. Donc je suis allé voir Michel. Angélique est toujours en vie, hein, donc elle a 81 ans, et je crois qu'elle vit à Nice. Sinon, allez, je déménage, puisqu'on on arrive en 2021, je vais retourner sur ma chaîne du Télékiff, parce que avec ma chaîne Chasseur d'étoiles, je suis, on va dire, plus un spécialiste des 12 coups de midi, et d'aller sur la chaîne Télékiff me permettra d'être un petit peu plus généraliste, donc de pouvoir parler un peu plus d'autres programmes, et puis je prévois d'autres trucs un petit peu rigolotes, qui vont intéresser certains ou certaines, et puis vous verrez, j'en parlerai sur mon autre chaîne. Donc vous verrez demain ou après-demain, ça dépendra si j'arrive à acheter une souris. Donc sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait presque un œil papillon. La maîtresse de midi était très jolie dans une robe pailletée, donc toujours un si joli sourire. Au coup d'envoi, la première question. Plus on planifie, oui, ce qui a trouvé ce patient, plus on planifie son réveillon de nouvel an à l'avance, plus on l'apprécie. Eh bien, c'était faux. Après, eh bien, vous aviez le sympathique. Alors, attendez, parce que j'ai pas du tout noté les prénoms. Alors, où est-ce qu'ils sont les prénoms? Les prénoms sont ici, je m'excuse. Donc, lui, c'était Emmanuel. D'accord, donc il y avait Emmanuel. Voilà. Donc Emmanuel, voilà, donc, qui était venu avec ses amis, qui étaient au fond. Donc Emmanuel, il organise des soirées événementielles. Donc en ce moment, le pauvre, avec le, avec la Covid,